En essayant de gérer, visualiser et modifier des documents PDF, vous avez peut-être déjà utilisé un éditeur PDF gratuit par le passé, en ligne ou hors ligne. Mais vous avez peut-être été déçu ou il vous a manqué des fonctionnalités clés. Donc dans cette vidéo, on va vous recommander les meilleurs logiciels d'édition de PDF gratuits, que ce soit en ligne et hors ligne, pour vous aider et enfin arrêter de vous casser la tête pour gérer vos documents PDF. Le meilleur éditeur de PDF gratuit, c'est PDF Elements. C'est un logiciel exceptionnel qui est disponible sur Windows et sur Mac, qui figure en tête de liste. Il constitue une alternative digne de ce nom à Acrobat Reader, qui a pendant longtemps été leader du marché. En fait, PDF Elements vous offre une solution complète pour éditer des fichiers PDF comme jamais auparavant. Par exemple, il peut vous aider à modifier le texte d'un PDF, ajouter, supprimer, extraire des images de PDF, modifier et supprimer des filigranes, l'arrière-plan d'une image et autres. Plus important encore, il vous permet de bénéficier d'un grand espace de stockage dans le cloud jusqu'à 100 Go à partir du Wondershare Document Cloud. Et vous pouvez d'ores et déjà télécharger ce logiciel sur pdfelements.wondershare.fr. Les avantages de PDF Elements résident dans le fait qu'il peut absolument tout faire, ce qui en fait l'éditeur qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Les utilisateurs peuvent essayer, d'ailleurs, avant de s'engager à l'acheter, puisqu'il est gratuit, mais comporte des fonctionnalités payantes comme l'IA par exemple. Sa conception simple offre une interface qui est plutôt conviviale pour les débutants, comme pour les professionnels par ailleurs, et il assure la protection d'absolument tous vos documents. Il est d'ailleurs doté de la technologie OCR qui va vous permettre de modifier ou d'extraire les fichiers PDF à partir de fichiers que vous aurez numérisés, donc des photos par exemple. En outre, il intègre le service Document Cloud qui vous permet d'accéder à vos documents en nuage sur n'importe quel appareil. Il vous permet de modifier, convertir, annoter, signer, protéger, compresser des fichiers PDF comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Par ailleurs, son prix est plutôt attractif puisqu'elle ne coûte que 89€ pour toute la vie. Il est compatible, comme je vous l'ai dit auparavant, sur Mac, Windows, Windows 7 à 11. Ensuite, on a Nitro Pro. Nitro Pro, c'est l'éditeur de PDF qui offre des fonctionnalités qui sont relativement similaires à celles des autres éditeurs de PDF pour Windows 10. Il permet de modifier, créer, fusionner, réviser, collaborer, remplir, signer et sécuriser des fichiers PDF, et il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows et est disponible en deux versions, personnelle et professionnelle. La professionnelle coûte jusqu'à 180€ et propose des fonctionnalités qui sont un petit peu plus avancées. L'avantage, c'est qu'il est facile à utiliser et également rapide à tourner sur votre PC. Il inclut lui aussi la technologie OCR pour éditer des PDF qui seront scannés. En revanche, il est plutôt cher par rapport à d'autres logiciels d'édition de PDF de premier plan. La version DC, quant à elle, a des fonctionnalités qui sont très limitées. Ensuite, on a Acrobat Pro DC. Alors, il fait aucun doute que Acrobat donne le ton en matière d'édition de PDF, et ce depuis très très longtemps, et il a été largement considéré comme le meilleur outil de PDF pour Windows 10. Cependant, il est considéré comme beaucoup trop cher et a raison. Il est important de noter que l'édition de PDF, c'est pas seulement destiné aux grandes entreprises, mais aussi aux particuliers et aux petites entreprises. Et le facteur prix peut souvent représenter un gros frein. Cependant, Adobe reste un excellent éditeur de PDF avec des fonctionnalités de premier ordre qui permettent aux utilisateurs de tout faire avec leurs fichiers PDF. En revanche, c'est le plus cher de tous et de tous les autres qu'on va voir ci-dessous. Ensuite, on a Foxit Phantom PDF. Outre sa fonction d'édition, Phantom PDF permet également d'exécuter d'autres fonctions, notamment la fusion et la division de fichiers PDF, l'annotation et le partage de fichiers PDF, et la création de formulaires et la conversion de tous ces fichiers dans d'autres formats. De plus, vous pouvez également protéger, biffer et signer des PDF directement depuis l'application. Il offre une période d'essai de 14 jours aux clients pour qu'ils puissent éventuellement l'essayer et voir si ça leur convient. Maintenant, on va voir les meilleurs éditeurs de PDF en ligne. HiPDF est un éditeur de PDF qui se veut en ligne et gratuit. Il offre tous les outils nécessaires pour gérer vos flux de travail PDF et vous pouvez ajouter du texte, des images, des formes ou éditer directement vos fichiers. Il propose également de nombreux utilitaires, comme par exemple la conversion de fichiers, le cryptage, la compression, la gestion des fichiers et des pages, ou l'OCR. Chaque fonctionnalité a une page web qui est dédiée où vous pourrez télécharger vos PDF et tous vos autres documents et effectuer la tâche que vous souhaitez effectuer et la télécharger directement. Vous pouvez même enlever des filigranes et enlever toutes les restrictions. Il est entièrement gratuit, sans condition de pro payante, et il offre des fonctionnalités qui sont bien plus riches et une gamme complète d'utilitaires qui comprennent un éditeur de PDF gratuit, un convertisseur, un compresseur et tout ce que je vous ai cité plus haut. Ensuite, on a également Small PDF qui est une autre plateforme de solutions PDF en ligne qui est assez connue.
Elle offre un large éventail d'outils PDF tels qu'un éditeur PDF gratuit, la compression de fichiers, la conversion. Mais la version gratuite comporte à elle un grand nombre de fonctionnalités très limitées et il vous faudra passer à la caisse pour tout débloquer. En plus, il ne fonctionne pas bien avec les gros fichiers PDF. Si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les PDF et découvrir toutes les fonctionnalités de PDF Elements et des autres logiciels qu'on a cités ci-dessous, n'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos sur la chaîne de Wondershare français. Je vous dis à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Thank you.